pour moi, vraiment, Metro, c'est un exemple. Je sais pas si on peut tout regrouper ça sous le game design, mais je pense vraiment que Metro, c'est un exemple de game design dans tout un tas d'idées qui sont hyper simples à mettre en place, mais qui cassent toute cette structure de forcer, imposer, forcer, imposer. Tu veux jouer en mode facile, tu veux pas prendre la tête et tu veux pas avoir ce truc de compter tes munitions et tu veux toute ton interface, vas-y, fais. Le jeu te dit quand même, écoute, si tu veux kiffer l'expérience, fais en sorte que tes munitions elles aient une importance et que t'es pas juste à tirer n'importe comment et que chaque cartouche compte. Donc on t'oriente un peu plus en te disant, on te conseille plus de faire comme ça, mais si tu veux pas, fais pas. Et après, dans la deuxième étape, on dit, ok, t'as choisi cette difficulté-là, maintenant pour vraiment le côté hyper immersif, on te recommande de passer en survie, t'as pas tous les indicateurs de backseat, de « Oh, regardez, là-bas, c'est là qu'il faut appuyer, oh, là, regardez, faut interagir avec ça. » Et du coup, en fait, c'est que des éléments logiques d'interaction, etc. Du coup, ça le fait trop bien.